Téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, sénateur Patrice Dumont, sénateur de l'Ouest, président commission sport. Oui, monsieur. Au niveau du Sénat. Oui. En forme? Très bien, merci, personnellement. Bon, on parle à bien, parce que il y a des gens qui dans le pays, il y a tout citoyen qui est concerné, tout responsable politique qui est concerné. Ben, ça où, en principe, yoshipoteo. Avec le sénateur Patrice Dumont, nous allons aborder deux thématiques qui ont ensemble de sous-thèmes là-dedans. La première, c'est la nécessité pour que nous fassions de l'incapacité à prévenir les incendies et à lutter correctement contre les incendies, un problème de sécurité publique. En moins de 8 jours, il y a deux incendies qui ravageaient un L dans le marché en fer et hier dimanche, un incendie éclaté dans le marché du port. C'est des pertes économiques importantes. C'est risque que un bureau important pour l'administration générale des douanes qui a consommé avec toute data baisée, tout ça qui a gagné comme conséquence. Nous allons parler avec le sénateur et regarder avec lui qui ça gagne pour faire pour que nous soyons efficaces, qui ça gagne pour faire surtout pour le service des pompiers de Port-au-Prince qui n'ont état de dénuement. Nos situations d'indigence crasse. C'est cochon qui vivent dans la base pompière. Sénateur a fait un coup de gueule hier, il dit que par rapport à sa rivière, il y a des gens tout pour y mettre tout simplement que tu as de petits jobs. Avec sénateur à tout, nous logique de bonne gouvernance, parce qu'il faut rendre des comptes, parce que le sénateur Patrice Dumont avait pris des positions pour demander des comptes sur des dossiers spécifiques, on a parlé de Petro-Caribé, et particulièrement sur les organismes autonomes et les entreprises de l'État, tant qu'ONA, AAN, OFATMA, pour qu'ils communiquent leurs états financiers audités, et ceci depuis fin 2017 jusqu'à date NAD Marinade. Sénateur, tranquillement, nous pourrons faire le point sur la question ça. D'abord, ou fâché, hier, ou dit c'est cœur qui a parlé, ou dit c'est raison qui a parlé, pour par rapport à deux du feu pété dans l'espace de 8 jours, il y a des gens qui ont des postes de responsabilité qui ne peuvent pas assumer responsabilité, clairement. Si nous d'accord, qu'on fait paysan, gagné bureau, il y aurait les institutions, et paysan gagné loi, parmi les lois, c'est dans la constitution nous avons sorti, il faut gagner élection chaque 5 ans pour le président. Chaque 6 ans pour sénateur, chaque 4 ans pour député, chaque 4 ans pour magistrat, pour kazek. Donc, le pays a gagné responsable. Responsable, c'est un mot qui sorti dans le latin, il dit response. C'est le monde qui a une réponse. Si on du feu prend, et c'est parti du feu, dans le premier plus gros marché en termes de structure comme infrastructure. Et qui gagne peut-être deuxième plus gros marché après, en termes économiques, après sa boulée dimanche 18 février. En l'espace de 5 jours seulement, il faut qu'on nous pose cette question. Qui est-ce qui est responsable de ça? Qui est-ce qui est responsable pour sa patte faite? Qui est-ce qui est responsable des petites étincelles-là, des premières étincelles-là, qui paraît pour te éteindre? Il y a des gens qui l'ont pour ça. Tout le monde n'est pas capable de faire l'occasion pour faire une troisième faute. Comme le pays a gagné deux personnes dans l'exécutif, l'un c'est président, l'autre c'est premier ministre, le premier bagaille pour le président, c'est pour demander au premier ministre de démissionner. Le premier ministre n'a pas capable de gagner courage lui-même pour démissionner. Le premier bagaille pour le faire, c'est pour demander. Tout le monde qui en bas, qui est directement concerné par la sécurité, va démissionner. Et puis, le président lui-même, le premier ministre, va démissionner pour le révoquer. Et puis, pour sénateur, député, faire vote contre tout le monde, pour ne pas d'accord recevoir le monde encore comme le monde qui a été. Il y a des gens qui ont dit ça, c'est pas bien fait dans l'autre pays, c'est comme si nous avons un pays noir, nous avons un standard particulier. Eh bien, précisément, si on moun dans le pays d'Haïti, par rapport à rendez-vous pays à gagner avec l'histoire, par rapport à gros problèmes nous gagnons, que moun qui mette moun yo, bon t'y cas l'humanité qui était tout le monde, même sous ces derniers malandres gagnent. Donc, m'invite tout le monde qui intégré que c'est malandres, mais t'y cas l'humanité qui gagne la kayoa,
pour le sort, pour mettre le dehors, si c'est peut-être à 1% lié, mais pour la situation où il est là, en général, et deux scandales du feu ça, pour mettre l'humanité à devant, pour dire que mais il n'est pas normal vraiment pour un pays à vivre dans la jalière. Dans du feu, nous prenons deux volets. Premièrement, vous soulignez mesures de sûreté, de sécurité pour empêcher, ou du moins pour réduire chance pour du feu éclater. Mm-hmm. Deuxième volet, c'est intervention rapide et efficace pour circonscrire, pour limiter les dégâts. Mais tout ça pour le fait. À ces deux niveaux-là, évaluation, on dit qui ça? Mais tout ça pour le fait, c'est d'abord, il faut que mon nom, mon qui chef là, mon qui a une responsabilité, il faut que ce n'est pas un seul souci le gagner. Comme mon, il y a deux, mon, y a deux soucis seulement. Souci pour yon brasser, là yon entre dans l'état, pour yon brasser, li vini avant, souci à la fin du mois pour yon toucher. Si c'est ça seulement, eh bien nous pas bon. Et moi voulais attirer attention, tout le monde dans le pays qui pas dans des autres, ça, que si yon pas relé derrière les gens qui la pour brasser et puis juste pour toucher seulement, pour yon, et puis pour, c'est ça pour yon même qui travaille là, eh bien, toute considération n'a pas fait, il n'y a pas besoin de marcher. Mais en considérant que l'humanité a remonté, eh bien, c'est simple. C'est d'abord compétence, qualification. Donc, ça veut dire, puisque l'humanité a remonté, intégrité pour mieux faire travailler. Ensuite, il y a un mot qui est le courage. Tout le monde connaît, oui. Chef de la police la connaît, ministre de la justice la connaît, premier ministre la connaît, que dans tout marché, il y a toujours gagné deux ou trois gangs. Kapgoumé entre eux. Tout le monde connaît que dans tout marché, particulièrement par exemple Kwabosal, le système de raquettes, que Zonyon, marché Zonyon lui-même, malheureux sorti, malheureux sorti, font verrette avec un paquet de Zonyon. Et puis, c'est raquette. Ça veut dire que si marchandise n'a pas débarqué, si ou pas, il vagabond l'argent. Et tout vagabond, ça y a des âmes. Moi, besoin qu'on ait, est-ce que vagabond qui a des âmes dans le marché ou bien l'autre côté, est-ce qu'il a gagné parce que la police là? Comme nous étions dans l'autre jour, il y a des trois nègres privés qui ont pile cob, qui ont empêché un asphalte, l'État voulait acheter, entrer dans le pays. Donc c'est même bagaille là tout. Il y a vagabonds qui ont plus d'âme que la police en tant qu'institution. Maintenant, entre aspect prévention, pas prévention non, et intervention pour circonscrire et limiter les dégâts. À moins de 5 minutes de site brasier, il y a le service des pompiers de Port-au-Prince. Oui. Qui n'ont une indigence, comme je viens de le dire, crasse. C'est cochon qui a vu ce site-là, il y a 5 camions, tous les 5 camions en panne. Quand on sait l'importance d'une intervention rapide dans les minutes qui suivent après départ de feu pour réduire l'impact, il n'y a pas de équipement pour aller. C'est Carrefour, c'est Delma, c'est Port-au-Prince qui vivait. Maintenant, Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti, c'est le siège de la présidence, c'est le siège du Parlement, de la Banque centrale. Comment se peut-il que cette situation perdure alors qu'il y a toute autorité ça là? Bon, il ne faut pas oublier, depuis sous Préval particulièrement, magistrat Port-au-Prince, c'est le premier ennemi du monde qui est président. Parce que nous sommes dans le ridicule absolu. Donc, il faut que le président fasse tout ça le capable pour magistrat réduit à sa plus simple expression. Ah bon? Ah ouais. Pour... Or, c'est évident. Que tout le temps ça nous passer, nous pas occupé de pays vrai. Vigne gagner des mots qui accumulés que on magistrat pas capable de résoudre pour contre lui. Et pour le résoudre, guider mots qui sous parler dans le système fédéral, on t'a dit que c'est le gouvernement fédéral là capable de faire qui a résoudre lui. Mais soit pensez que donc, de fait, par rapport au prochain budget, par rapport à la nécessité d'ouvrir un chantier législatif sur le corps des pompiers pour ces municipalités qui gagnent et municipalités outillées d'une fiscalité appropriée pour que les ressources soient là. Et au-delà d'intervention en cas d'incendie, pour que gagnent des techniciens formés qui ont fait inspection de véhicules, garder CO normes par rapport au risque d'incendie, qui ont fait des encastrements de véhicules et les accidents, qui baillent les premiers soins en cas de drame. Jean Noël fait dans l'autre côté. Par exemple, c'est un peu exemple SAMU en France, sénateur. Quel est le SEMANA pour service maritime? Quel est les pompiers? Ou que le ramassage d'ordures, SMCRS, une loi qui sortit, qui était présentée par
proposé par l'actuel président de la Chambre des députés, Garibodo, pour que justement le ramassage d'ordures là soit généralisé dans tout le pays, mais encore faut-il les moyens. C'est même bagarre là pour les pompiers. Hein. Alors, pompiers pas capables, c'est Port-au-Prince. C'est comme dans là, c'est Port-au-Prince, époque qui a gagné 8 gros rues, Port-au-Prince, et puis fini. Il est évident que Port-au-Prince, c'est toute communauté urbaine là, et que tout le monde a senti ça au cours des années 77-78. Ça veut dire Kitabar, qui est un niveau Carrefour. Carrefour, c'est un côté qui gagne plus de monde que Sud-Est et que les NIP. Donc, lorsque vous n'avez pas gagné aucun système de prévention de gros accidents, c'est évident que c'est dans souricière. Si vous avez regardé, vous avez visité les marchés du port. C'est le mot. Son souricière. Son souricière. Et vous ne pouvez pas connaître, nous connaître qui dégâts humains qui peuvent arriver. Alors, pour cela, on dit que disposition législative, là, c'est certainement. Et renforcer les services de sécurité et surtout tenir compte du fait que nous n'avons pas encore Port-au-Prince 1936 là encore. L'autre thématique que nous avons abordée avec le sénateur Patrice Dumont-Andé c'est votre dada, si nous avons dit ça, parce que vous constatez sous lui sur la bonne gouvernance, sur la nécessité de rendre des comptes. D'abord, Petro-Caribé, cette résolution qui votait dans le dos, c'est comme si on a fait un affaire dans le dos de la minorité. La séance était annoncée pour mardi, et le jour d'après, la séance qui s'est terminée au petit matin, on a appris que la résolution a été votée. On n'a pas donné tout le contenu de cette résolution dans l'après, dans les premiers jours. Maintenant, le moniteur est sorti, on a vu dans les considérants que la majorité qui a été à l'initiative de cette résolution estimait que le travail réalisé par la commission a été un travail partisan, politiquement motivé, qui a apporté de la confusion. On a demandé que le dossier, pas les rapports, donc que le dossier de l'utilisation des fonds Petro-Caribé soit transféré à la Cour des comptes, conformément à l'article 200 de la Constitution, qui donne cette prérogative à cette Cour. Commentaire. Bon, moi-même, moi dis dans la radio déjà, moi dis face à la plupart des sénateurs qui étaient là parmi les 17, par les 17 en même temps, dis plusieurs fois, lorsque nous pas que j'aime eu occasion pour nous faire une séance en tant que telle depuis lors, mais que moi prends un coup de couteau. Je prends un coup de couteau et dans dos. Qui est-ce, Bao? Les 17 sénateurs qui étaient là. Mais que valent les mots du président qui a un chapeau dans la tête, qui a un maillet à la main, qui dit que séance là, sous tribune, séance là en continuation pour mardi et qui. Président Lambert dit l'été, c'est pas la première fois, l'été annoncé séance pour on le, et y compris pour Petro-Caribéa, dernière séance qui fait là, sous Petro-Caribéa, qui finit à 7h du matin. 6h du matin. L'été fixé pour mardi, et c'est à la demande de quelques sénateurs, ils viennent mettre au mercredi. Donc, ce n'est pas la première fois que l'été est obligé de changer. Mais pas même, même si on, nous sommes capables de parler de ces mêmes bagailles-là en termes de c'était un renvoi et puis où remet-il en côté, mais le contexte est différent. C'est très simple. C'est le Premier ministre a venu pour énoncer de politique générale, ou bien gagner en question très très politique qui est chaud, d'un coup, Petro-Caribéen. Ou joindre la majorité, ou joindre tout le monde dans la séance. En général, nous faisons séance à 20 personnes, 21 personnes, tout le temps. Sénateur Latortue qui était président, c'est chaque jour pour la réélire sénateur pour sénateur venir dans la séance. Et je trouve que séance finie à 6h du matin, et puis Pita Gemoun, tu as 17 personnes qui te fait. Et comme par hasard, c'est 17 personnes qui tapent d'accord. Qui t'a d'accord net. Comme par hasard, pas de monde qui t'est là pour te dire que tu n'es pas d'accord. Ou dis son recours tournant de pour est-ce que tu as dit pour l'opinion qui veut savoir et qui voudrait avoir des parce comptes que, parce que, sous forum sénateur, le secrétaire général là, bail vers 11h du matin ou à midi, et que gagne une séance PITA à 2h. C'est moi-même qui premier réagi. Moi dit, moi fait lever. Et président, t'es fait séance, t'es annoncé séance là pour mardi. Nous sommes au jeudi. T'es annoncé séance là pour mardi.
sénateur sénatus ri bagay la. Li di kra et puis lol. Donc et puis silence total, pas gen aucun monde pendant journée qui dit yon seul mot. M'aller dans le palais national où j'ai été invité par la première dame qui t'a organisé en fête pour Tibedam 20 ans. J'y ai rencontré la sénateur Dieudonne Luma Etienne. Nous étions chita bon côté li et li pas pipé mot concernant en séance qui t'a gagné. Généralement l'aide de sénateur rencontré avant un jour de séance, on peut parler de toutes choses, mais la fini quand même. N'a pas été dans la séance là. Rien ne m'a été dit par ma consoeur, Madame Etienne. C'est peut-être ça que je dis que tout le bagaille ça fait que son coup de couteau dans le dos. Son coup de couteau. Maintenant, alors, il y a un sénateur qui dit que tout sénateur essaie dit que oui, mais c'est jour de séance régulier. C'est ensuite, c'est depuis que la majorité a été réunie, donc l'illégal. Sur le contenu de la résolution, est-ce que je viens de synthétiser ou mon commentaire? Sous contenu. Confusion, politiquement motivée. Mm-hmm. Non, il y a un pile prétexte là-dedans. Un pile prétexte là-dedans. Et deuxièmement, à la vérité, je ne peux pas dire que je ne suis pas inquiété, mais mal là, pape, j'aime qu'à cicatriser. Donc peut-être qu'il y a fait le pour arriver dans la prolongation, mais son prolongation qui n'est pas fini tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas intérêt de ces non, 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 l'histoire vivant. Ton vivant qui bon, au niveau de l'opinion, de la conscience nationale. Au niveau de l'opinion nationale et internationale, l'a toujours retourné. Et il n'est pas dit que ça ne va jamais parler encore dans la séance, dans le Sénat. Ce n'est pas vrai. Non. Non, ce n'est pas vrai. Afin que tu comme Dadou là, pas de parole qu'on ne peut parler. Ce n'est pas vrai. Maintenant, il y a des. Et puis, de toute façon, une fois de plus, le côté où vous êtes là, nous avons dit pour qui ça ne m'a pas d'accord que tu es allé dans. Allez, dans le coup de compte. Coup de compte, travail là. Chaque année, il gagne pour le bail un rapport sur l'état des finances publiques. Et c'est faut le voir le bail Sénat, il faut le voir le bail Parlement. Moi, j'ai gagné 2014-2015 là, où il y a traité de question pétro-caribéen. Il y a fait remarque sur lui. Pas là, il y a dit qu'il y a illégalité. Oui, pas là, en quelques cas. Mais la Cour supérieure des comptes n'a pas gagné pour le faire travail à moitié. C'est. Vous connaissez deux confrères, deux collègues dans le Sénat. Donc là, son défense institutionnelle de la Cour des comptes mais, qui était cabrit la passée quelque part par rapport à Petro-Caribe ou à Petro-Caribe. Vous avez dit non bis in idem. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable, même si vous avez traité la question deux fois, qui est la Cour supérieure des comptes pour le dire de nouveau? Sinon, que ça le dit déjà. Et s'il pas dit, s'il dit plus que ça le dit déjà, l'a tout dit qu'il n'a pas fait travail. On sait simple que cela. Maintenant, payant des plaintes qui portent, il y en aura d'autres. Nous n'avons une question majeure de corruption. La Cour supérieure des comptes, c'est juste. La Cour supérieure des comptes considérée Sayoubali comme pièce justificative. N'est-ce fait pièce yovelée. La Cour supérieure des comptes, pas baille tête les compétences pour le souterrain, pour louer, ça y a un deal qui coûtait 125 000 goudes, est-ce que ce n'est pas 10 000 goudes qui coûtait? La pratique est généralisée dans le pays. Depuis un monde qui gagne pour le faire, pour l'acheter pour l'État, c'est pour l'élever côté pour l'acheter. Il y a un deal 10 ordinateurs. Yo chaque c'est 1 000 $ américains, il a coûté 10 000 $ américains, il dit oh non, et lui-même, il dit le même ouvertement, c'est 2 000 pour nous dire. Donc moitié pour lui, moitié pour l'État payé. Loi 2014 sur facturation, c'est puni, on considère le coup un délit de corruption. Maintenant, où donc moi rappeler que c'est une espèce de chimère qui n'a tête en série de monde qui croit que dossier ça capable de tout faire. Capable de tout faire. Maintenant, il y a, par rapport à ce sous-tout-là, de défense institutionnelle, Cour des comptes, et de l'évidence que l'on est en face d'un exécutif
avec le président de la République, du chef de l'État, qui clairement, et là c'est la conviction formée par plus d'un, qui n'a pas de volonté politique pour que la lumière soit faite sur ça, sans lynchage politique, sans assassinat de caractère. Le président s'est toujours montré contre assassinat politique et caractère, mais à aucun moment, Mbakwe Mtande, il insistait sur le fait que PIA doit jouer une explication, tout au moins pour qu'au niveau systémique, nous apprenions leçon de l'utilisation comme ça, et s'il y a des gens qui commettent des crimes et délits contre les intérêts de l'État, qu'ils ont puni. Par exemple, tu as des discours ça. Maintenant, dans cette ambiance et de cette ligne politique tracée par le président, on va attendre peut-être 4-5 ans avant que... Non, non pas peut-être 4-5 ans. C'est la machine est partie. Pourquoi ça? Non, la machine est partie. Gagne un frein, mais je trouve que machine c'est son pente liée et il y a l'huile en bas loua. Même si vous mettez pied au souffre jusqu'à ce que vous percez le plafond et ce machine là, la continue à glisser. Mais on dit que ce qui. Non, mais c'est très simple. C'est beaucoup d'argent, c'est des gens puissants, c'est des gens de des positions. Oui, est-ce qu'on est en train de personne se. Personne n'est plus puissant que le peuple. Personne n'est. Personne n'est plus puissant que le peuple. Ok, est-ce que le peuple là. Gagner conscience. Le peuple. Attendez un moment, sénateur Dumont. Est-ce que vous pensez que le peuple là arrivé dans ce stade, côté conscience, li, suffisamment, atteint le niveau suffisant d'une espèce de maturation pour le dire non à cette indignité qu'est la corruption et ses conséquences, comme par exemple chez nos voisins de la République dominicaine, il y a ce mouvement, ce élan, la marche verte pour dire non, et la justice dominicaine a été capable d'investiguer, de traîner devant les tribunaux des puissants. Mm-hmm. Ou pensez-nous arriver là? Non, nous ne pouvons pas arriver là, mais nous arriver là. Parce que pour qui ça, nous arriver là? Tout le monde commence à faire calcul. Tout le monde commence à rendre compte que 1 milliard, vous l'avez dit, 50 buildings, tu n'as pas dit celle-là. Une, notoire. 50, tu n'as pas dit celle-là, la ville-là, égout, refait la ville-là. Pour moun pa chita à vivre dans la boue. Mais yo pa wè, yo pa wè 5 10 yo pa wè m'pa konnen non moi même on ka dans 50 ans. Tout moun rend yo compte que pour faire yon l'école ou pas besoin faire le même gosse avec on building tant que ça me se dire. Et nous besoin on paquette l'école, nous avons besoin de former les professeurs. Donc tout le monde voit ça. Alors, ça. C'est comme ça, si vous... même voyage qui est plus long, ça qui est important, c'est le premier pas. Et le premier pas a été déjà fait pour dire non. C'est le premier pas, mais il y a l'autre pas qui fait. Pour qui fait. Qui pas? Ou si vous parlez de président, moi-même, je vais ajouter un petit calvaire. Président, tu as une élection, tu mettais Jovenel Moïse président. Nous pas dans l'État tel que, de point de vue théorique, l'État jodien, ce n'est pas l'État Marx te dit qu'il a pour défendre l'intérêt d'une classe. Si l'État était là pour défendre les intérêts d'une classe, les États-Unis n'ont pas progressé. Pas de gagner un État comme l'État canadien. Pas de gagner un État comme l'État scandinavien. Pas de gagner un progrès qui fait en République dominicaine. Ça veut dire que... À un certain moment, l'intérêt collectif, l'intérêt commun... Non, c'est inévitable. Nous sommes l'État qui gagne de point de vue théorique, de point de vue de la philosophie politique. Le président, le Jovenel Moïse vient président, il a gagné des gens qui ont mis, des gens qui ont aidé à faire élection, parti politique qui mettait le président. Et que il a gagné des sentiments positifs. Il a gagné affection même pour eux. Mais il y a des choses qui font que toutes les belles affections, que tous les beaux sentiments du monde, c'est le devoir. Devoir président vis-à-vis de tête-li, en tant que personne, vis-à-vis de population haïtienne, vis-à-vis du monde. C'est poursuivre ceux-là qui ont gaspillé l'argent de l'État. Maintenant, sénateur, on l'autre point, là, nous étions toujours dans le chapitre bonne gouvernance, là, et la nécessité de rendre des comptes en séance fin 2017 et avant la séance. Et cette séance où tu exprimes position sur Facebook ou exprimes position dans la presse, où dit c'est absolument inacceptable que dans le budget 2017-2018 là, que les entreprises autonomes de l'État généraient
moins de 2 milliards. Oui. Très généreux, nous en bas 600 millions. 584 millions. Nous en bas 600 millions. 584 millions de gourdes. Gourdes. Équivalent à environ 11 millions de gourdes. Et l'Enamgade, entreprise autonome, il y a l'ONA, il y a la AN et d'autres qui gagnent. Il y a la PN, il y a la AN, il y a l'OFNAC. Un paquet qui générait, en principe, qui t'a dû générer des ressources. En pile cob. Là, il y a BNC tout. BNC, il y a NATCOM. Il y a NATCOM tout. Et l'État, il y a 40%, plus de 40% d'action. Où Rivio dit que ce n'est pas normal, en séance, le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, était là, où mandé que vous bail l'État financier de l'entreprise, d'institution, était un engagement qui prend dans les 21 jours, 22 ou 21 jours, pour être bon aux informations. Nous sommes pratiquement à 3 mois de cet engagement pris. Est-ce que c'est bouteille noire toujours? Bouteille noire. Bouteille noire. Je pense que malheureusement... Bouteille noire, ça veut dire opacité. Ministre finance là, ou bien premier ministre là, il est possible que ce n'est pas corrompu. Oui. Il n'y a pas d'autorité? Mais les gens manquent de courage dans le pays. Moi, j'ai demandé au Premier ministre dans la séance qui salaire directeur service autonome, entreprise autonome. Il dit qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il ne connaît pas. Moi-même, j'ai commencé à connaître. Qui salaire? Il y a des gens qui ont touché 12 000 dollars, qui baillent tête au salaire 12 000 dollars. Américain? Well. En plus, de loin, c'est sénateur de l'Ouest. Non, c'est sénateur, pour dire sénateur. Plus salaire nominal président. Salaire nominal président. Oui, oui. Plus élevé. Et la gravité de la question, c'est que le Premier ministre, celui qui nomme ou qui est forcément informé de la décision du chef de l'État de placer X ou Y à la tête de telle institution, il n'est pas contre salaire. Salaire, moun qui a touché par c'est lui. Salaire, moun qui décide, c'est lui-même qui baille salaire là. Gagné un barème, un grille de salaire. Je regrette, je ne pas la différence entre barème et grille de salaire. Là. Mais il y a un papier, une entente qui est faite au cœur de l'État pour que le directeur général lui touche 84 000 gourdes. 84 000 gourdes. Je vous fais remarquer que le sénateur a gagné un salaire net de 80 000 gourdes. Et il se trouve que entreprise autonome qui c'est directeur général tout mon qui a de la tête yo il a touché comme ça. Nous pas parler de pour mon toucher pour mon pas toucher. N'a pas les deux capacités pays nous. Youn et n'a pas les tout de mon qui t'a doué fait gros études. Gelenaf ici. Même avec l'ENA en France que tout le monde connaît. École de gouvernance puis gros université au Harvard. Si on est on fait 10 ans à étudier l'État, il est capable de ministre dans n'importe qui ministère, il est capable de directeur dans n'importe qui entreprise autonome. C'est normal parce que le pral fait pays avancer grâce à science là que le bail tête lien que moun sa gagne un traitement selon ses qualifications, ses compétences et les services qu'il rend à la nation. Et là, soit pas pour le gouvernement d'État financier. Justement, il y a qu'on est plus ouvert. La transparence, et puis, l'efficacité, et etc. Et puis, le ça, c'est pas un sénateur qui a dit « mettez-le tel pour moi ». C'est pas le président qui pense que vous avez rendu service dans l'élection qui prend le météo. Job ça, il est trop important pour que c'est au premier venu à la gueule. Maintenant, sénateur, nous étions peut-être très peu de minutes, moins de. Nous pas été encore, mais sénateur, m'a insisté. Pratiquement là, il a dormi sous, là. Premier ministre, tout le monde a dormi sous. Non, il n'a pas dormi, il y a Kabicha. Il y a Kabicha sous. Il y a Kabicha. C'est Kabicha, okay. Kabicha. Parce que de toutes les manières. Est-ce que vous lancez, ou insistez, ou écrit? Oui, tu me dis où, ça devait être le 8 janvier. Moi, j'ai rencontré avec le ministre des Finances là. Et moi dit que moi lis deux lettres. Moi dit m'a fait le doué mon troisième. Et il m'a expliqué quelques difficultés auxquelles il fait face. Je peux comprendre. Mais de toutes les manières, il va falloir que
li traverser difficulté ça pour le bail rapport pour le bail état financier yo m ta remet faire téléspectateur yo observer que nous nan sous année nous nan précisément dans salaire directeur autre vous autonome yo pratiquement 50% de ça yo bail l'état comprenez bien yo bail l'état entre 8 et 11 millions de dollars américains. Yo touché sous année à eux-mêmes plus de 5 millions de dollars américains. Est-ce que une entreprise comme ça, c'est pour l'État lié vrai? D'où yon observation que me fait l'État pays a privatisé. L'État pays a privatisé. Gagné en tout net l'or l'agile. Gen 20 000 monde à peu près qui possède l'État. Naturellement, monde qui dans tête yo, comme si pigou actionnaire dans privatisation, yo gen doit toucher 1000 fois plus, 1 million de fois plus que 20 millième nan. Mais l'État pays a privatisé gen sous 11 millions haïtiens gagné 11 millions gagné 10 millions 980 000 qui pas la donne. Ma dernière question. Comment sortir de ça? Par l'affirmation de la vérité, par l'assiduité dans le contrôle, par la conviction, par le courage, et pour nous mettre ensemble, moun qui couait pays en pas gagner en condamnation naturelle. Est-ce qu'on ramasse et constitue une masse critique de monde qui vous porter par ça? Moi vin sénateur à partir de participation dans vie en parti politique qui est le RPH. Moi rencontre un paquet de monde sous base que nous pas plus grand que pays a. C'est pays a plus gros, hein. Faut nous mettre pays a devant. Moi espérer jeunesse là, moi espérer nèg qui grand monde même j'avais mieux qui gagne 60 ans que yo koué nous pas capable quitter héritage obéré ça. Qui te dit ça dans le dire nous. Allez-y. Malpropreté ça pour petite nous yo. Sénateur du Mont-Messe en pile dans l'autre occasion on a pour nous parler de machines qui louaient et son véritable scandale ou dénoncer bah ça que des sénateurs pareil qui presque trouver son chelbe ou faire et là gagne des monde qui jauge lui dit mais vraiment un problème de standard et de l'identification de ce qui est inacceptable. Et ce n'est pas partagé par tout le monde. Et ça a fendu beaucoup de cœur. C'est un gros problème parce que depuis, il y a trop de monde qui croit seule mission, c'est ramasser comme. Et c'est là le problème. Non. Merci un peu, sénateur Dumont. Peut-être que pour nous parler dans notre occasion dans des cailles. Cela met ton bout. Merci un peu. Bien content de disponibilité. Cela met ton bout dans l'édition. Ça, nous bon rendez-vous. Notre occasion de venir sous Flavia. Kembela, Palaki.